Non, mais ça, c'est de la magnésie. Si tu veux, tu as quand même les doigts, tu as de la sueur, ça suinte. Et justement, pour enlever cette humidité au bout des doigts, qui fait que ça glisse sur le rocher, tu trempes tes mains dans un sac à pof. C'est un sac à magnésie, c'est du carbonate de magnésie, c'est de la poudre qui t'enlève la transpiration. Ça empêche tes doigts de glisser du rocher. L'escalade libre, elle peut se faire aussi bien en cordée qu'en solo, c'est-à-dire que tu prends aucun poids artificiel et tu utilises uniquement les prises du rocher. Et le solo, c'est, enfin pour moi, c'est l'escalade suprême, c'est-à-dire que tu n'as aucun moyen d'aide, tu passes en libre et sans aucune assurance. Il faut avoir une super concentration et le moindre faux mouvement ou équilibre ou si tes bras tétanisent, bon, ben c'est la chute quoi. Alors justement, l'intérêt de la piate, si tu veux, c'est que tu as à proximité l'eau qui est à 1 ou 2 mètres en dessous de toi, ce qui fait qu'en cas de chute, bon, tu risques absolument rien. Il n'y a vraiment aucun danger. C'est à la fois un entraînement pour attaquer ces parois-là, au niveau d'endurance aussi, parce que tu peux te permettre d'aller jusqu'à tétaniser tes muscles et de tomber à l'eau sans prendre aucun risque. C'est aussi un but, parce que bon, c'est quand même agréable de pouvoir, sans contrainte morale, te balader, faire de très beaux mouvements au ras de l'eau et tout. C'est vraiment un plaisir, c'est pas qu'un entraînement. Ça m'arrive de venir souvent ici pour grimper, pour le plaisir uniquement, le plaisir du geste, sans aucune contrainte morale. Alors, ça te permet de travailler des mouvements, et si toutefois bon, tu te loupes dans tes mouvements, tu tombes en l'eau, tu les remets au point, avant de les faire en paroi, en solo intégral. Parce que bon, je pense que le solo intégral, c'est vraiment l'escalade suprême, où il n'y a aucun artifice, tu as un engagement total, psychologique, physique. Et pour moi, c'est vraiment l'escalade que j'aime le mieux pratiquer. La tétanisation, c'est quand tu fais un mouvement continu, il faut que tu aies une oxygénation de tes muscles, sinon les muscles ne répondent plus. Au bout d'une longueur où tu es suspendu sur les doigts, si tu as une mauvaise oxygénation, si tu n'as pas une bonne respiration, eh bien tu as tes muscles qui se gonflent et tu as les doigts qui s'ouvrent et tu ne peux plus rien faire. Ou alors, la seule chose, si tu veux, quand ça arrive, c'est d'essayer de retrouver des points de repos, de charger au maximum tes pieds, de mettre tout le poids de ton corps sur tes pieds et simultanément, tu soulages un bras puis l'autre que tu remets en bas si tu veux, parce que l'oxygène et le sang circulent mieux, en fait. Et tu récupères comme ça, en basant, disons, ta concentration sur ta respiration et ça te permet de repartir. L'escalade à haut niveau, tu ne peux pas te permettre, par rapport à la vision qu'il y a des prises, de faire des mouvements logiques. Quand ça devient très dur, tu es obligé d'aller très vite. Et ce qu'il faut, c'est avoir une bonne vision des prises. Et après, il faut laisser faire ton intuition, ton instinct, si tu veux. Te laisser aller de prise en prise. Ton corps, bon, qui a l'habitude de grimper, assimile les équilibres très vite et tu vas d'équilibre en équilibre. Ce qui est le plus important, d'après moi aussi en escalade, c'est quand même la façon dont tu passes. Le but, c'est pas de passer un passage crispé sur des prises, de se tirer, ça n'a aucun intérêt si tu veux. L'intérêt, c'est justement d'essayer d'être le plus esthétique, le plus harmonieux possible. En fait, c'est une expression corporelle au même titre que la danse, sauf que la chorégraphie, bon, est dictée par les prises, quoi. C'est un opéra vertical. Je pense qu'il faut avoir un entraînement, disons une capacité physique très importante, puissance, endurance, une très bonne souplesse, une bonne vision des prises, du passage. Mais en solo, c'est certain que la chose primordiale, c'est la concentration. S'il y a un moment où tu te déconcentres, ne serait-ce que pendant 2-3 secondes, tu peux louper un mouvement et te casser la gueule, quoi. Je pense qu'il faut dire une chose, c'est que le solo c'est vraiment très dangereux, c'est ta vie qui est en jeu, c'est ta vie qui en dépend, mais il faut que les gens comprennent que nous on y passe tout notre temps, donc on est préparé pour ça.
peux pas, disons, prévoir quelques jours à l'avance et dire tel jour je vais faire du solo, c'est impossible. Tu grimpes une journée et il y a un moment où tu te sens très bien, moralement, physiquement, et ce jour-là, bon, ben, tu passes au pied d'une voie et tu as envie de la faire en solo et tu la fais en solo. C'est une chose qui se commande pas en fait. Ça, c'est un besoin que tu ressens et quand tu ressens ce besoin, tu y vas. Alors comme mode de vie, si tu veux, bon, la plupart du temps, je balade avec mon camion, je vais d'école d'escalade en école d'escalade. Je vis dans la nature, en fait, c'est ce qui me plaît. Quoi. Je me sens pas stressé par la vie, toutes ces choses-là. Quoi. Je suis bien dans la nature, c'est cool comme ambiance. Il faudrait pas que les gens mystifient un personnage. Je pense qu'on n'a rien de plus que les autres. Quoi. C'est une passion, on la travaille. En la travaillant, on devient peut-être plus fort, mais bon, voilà, on est tout à fait normaux. Tous les gens qui pratiquent l'escalade à ce niveau quoi, sont tout à fait normaux. Et qu'en fait, il ne faudrait pas non plus qu'ils croient qu'on ait une vie de moine et qu'on est des fous. Enfin, moi, j'estime vivre tout à fait normalement. J'ai des périodes, des fois, quelques mois où je grimpe pas, où j'ai envie de faire autre chose. Une chose qui est aussi très importante, je crois, en escalade, il faut en parler, plus que l'entraînement, c'est la motivation. En fait, c'est d'être motivé au pied du rocher, c'est ce qui fait que tu grimpes bien. Alors pour avoir cette motivation, pour la travailler justement, ça m'arrive lors des périodes de décompression où je fais la fête pendant un mois, où c'est pas du tout un problème. Je crois que c'est très important de le dire, il faudrait pas que les gens croient qu'on est là à s'entraîner comme des bêtes toute la journée, parce qu'en fait c'est pas vrai. Si tu veux, au niveau concentration, ce qui me plaît, c'est marcher sur une chaîne. Tu acquis assez vite l'équilibre en t'entraînant, mais dès que tu penses à autre chose, c'est-à-dire dès que tu te déconcentres, tu tombes. Et pour les solos, il faut surtout pas te déconcentrer. Alors ce que je m'amuse à faire, c'est essayer de rester le plus longtemps possible sur une chaîne, faire des allers-retours, de la faire bouger pour travailler l'équilibre. Tu vois, ça me permet justement de travailler cette concentration. Je pense que le plus important en escalade, c'est la puissance dans tes extrémités, c'est-à-dire la force dans tes orteils et dans tes doigts. Et comme entraînement aussi, ça passe, disons, avant l'entraînement musculaire, c'est la souplesse. C'est ce qui peut te bloquer dans un mouvement. Je pense qu'il faut arriver à faire les deux grands écarts, enfin avoir le corps le maximum souple, quoi. Et surtout, un truc qui est très important et que les gens oublient, c'est la souplesse de bassin. C'est justement ce qui te permet de pivoter sur tes pieds à chaque fois et de mettre tout le poids de ton corps sur tes pieds. C'est beaucoup plus important que les grands écarts d'après-midi.
moi les polos quand tu veux. Fais pas le coup. Thank you.
Salut, ça va? Ça va? Bon, attends, je vais passer par là. Excuse-moi. Hein. Vas-y, vas-y. Tu es bien là? Impeccable. Le gaz, c'est le vide, c'est la hauteur à laquelle tu te situes sur une paroi et qui fait qu'en bas, il y a du gaz, il y a du vide, voilà. Et c'est beaucoup plus difficile parce qu'au niveau concentration, tu n'as plus du tout la même notion des équilibres et plus la même notion d'engagement. Surtout quand tu es en solo dans une paroi qui est très haute, tu sais très bien que tu n'as pas de point de repos, de vire à proximité et sur le plan moral, c'est beaucoup plus dur de te concentrer en sachant que tu es complètement engagé. Ça va, tu viens là? Bon. Intéressant en solo, c'est le fait que ta vie soit en danger, ça motive ta concentration. C'est normal, je pense qu'on ait peur, c'est d'ailleurs ce qui t'attire si tu veux. Tu as une notion de peur qui rentre en jeu, c'est certain, et ce qui est plaisant, c'est d'arriver à la dominer. Quand tu es en solo, de toute façon, il faut faire abstraction complète du gaz. C'est-à-dire, tu n'y penses absolument plus, tu es tellement concentré par tes mouvements, par le fait de faire aucune erreur, que le gaz, tu n'y penses absolument plus. Tu penses uniquement quand tu es en cordée, que tu t'arrêtes un relais ou en solo, quand tu te reposes. Là, tu prends conscience, disons, de l'élément dans lequel tu es, du vide qu'il y a. Mais sinon, c'est un truc qu'il faut faire abstraction complètement. Ouais. Ça te bloque, tu n'arrives pas à faire des mouvements très durs. Et ce qui est grisant, justement, c'est le fait de savoir qu'il y a cette ambiance-là derrière et qui fait que volontairement, on se met dans cette ambiance. C'est sûr que ça a plus d'engagement, plus d'intérêt. Tu arrives à vivre uniquement en grimpant par rapport à tout ce que tu peux ressentir dans l'escalade et tout ce que ça peut te procurer comme sensation. Au niveau de ton engagement moral, de ce que tu ressens sur le plan physique. Pour moi, l'escalade, c'est pas un sport. J'y consacre tout mon temps. C'est un mode de vie. J'arrive à retrouver tous les besoins qu'on peut avoir si tu veux en tant qu'être humain. Tu vas faire une voie très dure.
tu auras le plaisir justement de l'expression corporelle, la défense physique, qui fait qu'en fait ça va te créer de petits besoins. Tu vas apprécier en sortant d'une voie un verre d'eau, un sandwich. Et bon, ça c'est intéressant à l'époque à laquelle on vit d'avoir de petits besoins, je crois. Il y a une prise de conscience au niveau des plaisirs simples en fait qui suffisent très bien pour pouvoir vivre.